Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo dans la série du texte avec questions. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de nous encourager. مرحبا في ثاني فيديو من سلسلة نص مع أسئلة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكي تشجعونا أكثر. C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer. J'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Summer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimer la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Maintenant, on va passer pour expliquer le texte. C'est ma vie. هذه حياتي. Je m'appelle Angelica Summer. اسمي Angelica Summer. J'ai 12 ans. عمري 12 سنة. Et je suis canadienne. وأنا كندية. Il y a 5 ans, منذ 5 سنوات, ma famille et moi عائلتي وأنا avons déménagé انتقلنا dans le sud de la France إلى جنوب فرنسا. Mon père أبي Frank Summer اسمه Frank Summer est mécanicien يعمل كميكانيكي. Il adore les voitures anciennes إنه يحب السيارات القديمة et collectionne les voitures miniatures يجمع السيارات المصغرة. Ma mère s'appelle Emily Summer. أمي اسمها Emily Summer. Elle est infirmière. إنها ممرضة. Dans un hôpital في مستشفى non loin ليس ببعيد de notre maison من منزلنا. Nous avons déménagé لقد انتقلنا en France إلى فرنسا parce qu'elle a toujours لأنها دائما aimé la culture de ce pays. لأنها دائما ما أحبت ثقافة هذا البلد. La vie en France, الحياة في فرنسا, est très différente, مختلفة جدا, de celle au Canada, عن الحياة في كندا. Ici, هنا, il fait toujours chaud, دائما الجو حار. Chaque dimanche, في كل أحد, nous allons, نذهب, à la magnifique plage de Biarritz, إلى البحر الرائع, اسمه Biarritz, et nous achetons, ونشتري, des glaces, مثلجات, après avoir nagé, بعد السباحة dans la mer في البحر. Les Français, الفرنسيون, sont très sympathiques ودودون جدا et accueillants مرحبين. Nous parlons français, نتكلم بالفرنسية lorsque, عندما, nous sommes dehors, نكون في الخارج, à l'école, في المدرسة ou au marché, أو في السوق. Cependant, بينما, nous continuons de parler, نستمر في التحدث anglais بالإنجليزية à la maison في المنزل car لأن mes parents والدي ne veulent pas لا يريدون que je perde أن أخسر ما langue natale لغتي الأم. الآن سوف نمر للأسئلة. Quel est le métier du père d'Angelica? Plombier, collectionneur de voitures miniatures, mécanicien ou bien infirmier? يعني هذا السؤال ما هي مهنة والد أنجليكا؟ plombier السباك collectionneur de voitures miniatures c'est-à-dire هل هو مجمع للسيارات المصغرة؟ mécanicien ميكانيكي أم infirmier ممرض؟ الإجابة الصحيحة هي mécanicien ميكانيكي. أب أنجليكا يعمل كميكانيكي. يمكن أن البعض منكم قد اختار collectionneur de voitures miniatures ولكن هذه هواية
هوايته أن يجمع السيارات المصغرة وليست مهنة، كما أن لدينا في النص Mon père, Frank Summer, est mécanicien. Quand est-ce que la famille Summer a déménagé en France? Il y a 2 ans? Il y a 5 ans? Il y a 3 semaines? Ou bien il y a 8 jours? السؤال يعني منذ متى la famille, العائلة Summer, لأن كنيتها هي Summer, a déménagé en France, انتقلت إلى فرنسا. Il y a 2 ans, منذ عامين. Il y a 5 ans, منذ 5 أعوام. Il y a 3 semaines, منذ 3 أسابيع. أو il y a 8 jours, منذ 8 أيام. Oui, la bonne réponse est il y a 5 ans. Car on a dans le texte, il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Bravo! La famille Summer parle anglais lorsqu'elle est au marché, à l'école, au travail, à la maison. ويعني هذا السؤال العائلة Summer تتحدث بالإنجليزية parle anglais lorsqu'elle est عندما au marché يعني في السوق, à l'école في المدرسة, au travail في العمل, à la maison في المنزل. نعم الإجابة الصحيحة هي في المنزل لأن لدينا في النص cependant nous continuons de parler anglais à la maison بينما dehors يتكلمون أي في الخارج يتكلمون باللغة الفرنسية. Comment sont les Français? Sympathique, méchant, ennuyeux ou bien adorable? ونقصد بهذا السؤال كيف هم الفرنسيون؟ Sympathique, هل هم ودودون؟ Méchant, سيئون؟ Ennuyeux, مملون؟ Adorable, محبوبون؟ Oui, la bonne réponse est sympathique. Très bien, car on a dans le texte les Français sont très sympathiques. Bravo. Comment s'appelle la maman dans la famille Summer? Angelica, Patricia, Emily, Mathilde. وهذا يعني ما هو اسم الأم في عائلة Summer؟ هل اسمها Angelica, أم Patricia, أم Emily, أم Mathilde؟ أجل الإجابة الصحيحة هي إيميلي لأن في النص لدينا ما مير سابيل إيميلي سامر. إجابة صحيحة. برافو. شكرا لإتمامكم هذا الفيديو. أذكركم بالاشتراك في قناتنا. إلى الفيديو القادم بإذن الله. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la vidéo prochaine.